Salut à tous, c'est Campman TV. On se retrouve pour le match 1 des demi-finales de conférence Est face aux Celtics, comme vous avez pu le voir dans le match précédent. Mais juste un petit peu avant, j'aimerais bien vous montrer justement les tableaux des playoffs pour savoir qui se qualifie, qui a exactement en playoff et comment on va se positionner là-dedans. Bon, on va commencer par la conférence Ouest, la conférence qui nous intéresse moins parce qu'on n'y est pas dedans. Donc, du coup, vous pouvez voir. Que Houston, 8e, a gagné le premier Clippers 4-2. Donc ils vont se confronter face à Golden State qui a gagné contre Dallas 4-3. Donc ça doit être un bon match, sachant que c'était milieu de tableau au niveau des playoffs. Donc ça devait être intéressant à voir. Portland, 6e, qui gagne face au 3e, décidément, quand même face à Denver, qui va se confronter aux Lakers, 2e, qui a battu sur un game 7 Sacramento. Et du coup, ben nous, vous pouvez le voir, on est premier à l'Est, donc on est le meilleur bilan même dans la NBA. Donc on a battu 4-0 Cleveland, 8e. Et on joue contre Boston qui a battu 4-1 Philly quand même. C'est pas rien. En sachant qu'en plus, continuons, Brooklyn a gagné 4-3 à Toronto. Et Milwaukee 4-0 face à Orlando. Facile. Du coup. Les confrontations Golden State face à Houston, en sachant que Houston, quand j'ai commencé le mode carrière, il y avait encore James Harden, c'est logique, il est parti en cours de saison, et donc du coup il retrouve John Wall, etc. etc. Donc il y avait quand même une bonne équipe. Je pense pas qu'il y ait Oladipo, etc. etc. comme maintenant. Golden State, je pense qu'il y a Klay Thompson, etc. etc. Donc il n'y a pas de souci, je pense qu'ils font mieux sans blessure. Hein. Les Lakers, assez logique, je pose même pas la question. Portland, assez logique aussi, parce que c'est quand même une bonne équipe. Boston, pareil, par contre, ça se prend par rapport à Philly qui fait quand même une bonne saison. Mais on est sur du virtuel, donc ça peut aller très très vite aussi. Et Brooklyn, du coup, qui a Durant, qui a Irving, mais il n'y a pas Harden, il n'y a pas Blake Griffin. Parce que, pareil, arrivé en cours de saison, qui arrive quand même à battre Toronto, une bonne petite équipe. Milwaukee, 4-0, rien à redire. Donc. Si on arrive à passer les Boston, on va se taper soit Milwaukee face, soit Brooklyn. Et là, je pense que ça va être très très compliqué. Mais bon, on est loin de là. Il faut déjà réussir à passer les Celtics. Du coup, les Celtics de Tatum. Donc, on va voir ce que ça va faire. Hein. Ça va être très compliqué. Donc là, comme on est premier du bilan, on va jouer nos deux premiers matchs à domicile. Et on va commencer déjà par le match 1. Allez, on va se mettre le maillot tout blanc pour commencer. C'est parti. Let's go, let's go, let's go! J'adore cette entrée dans la salle. Ça te met dans le ton du match. On va frimer un petit peu. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai changé un petit peu les cheveux, en tout cas la couleur des cheveux de mon joueur. Je vais essayer de faire ça à chaque tour si j'arrive à passer. En tout cas, final une vie. Ça lui donne un style, j'aime pas beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je préfère quand c'est brun, brun, brun. Mais allez, c'est un petit délire. Ah, je suis meneur dans ce match. À moins que, je crois que c'est mal positionné. Ah, ok, il fait son rituel. Ouais, c'est un peu raté, hein. Il pourrait le faire de notre côté en fait. C'est un peu mal foutu. Le début, le coup d'envoi. Et c'est parti, balle Boston. Une bonne défense. On prend pour Adebayo. Et je suis passé. Et le dunk sur Thompson. Oh, 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 dommage. Oh, la faute de Smart. Eh, Smart, certes, il est petit de taille, mais il est assez costaud. Il est très, très gênant en défense. Ça va être très difficile ce match, surtout en playoff contre lui. Mais bon, on va partir sur deux lancers francs déjà. Un demi.
2 sur 2 Green Light. La passe, le dunk de Chua. Il me gêne beaucoup. Et le dunk, il me gêne beaucoup Smart. Hein. La passe, magnifique. Je sors. Mené de 4 points, peut-être 5. Aïe, aïe, aïe. Le début de match, bon, le pourcentage, je suis à 40%. Mais on me gêne beaucoup. Hein. Smart est très, très gênant. On savait que c'était un très bon défenseur, malgré sa taille. Mais il est très gênant. On va voir si on simule. On est passé devant. 32-26. Ok, pas mal. Mais je vais Miami. Pas mal, pas mal, pas mal. On va essayer de garder le sport. Hein. Et wow! Bien joué. Le cross qui passe. Là, pour une fois, Smart, j'avais mangé. Et là, on retrouve un 50% d'adresse. Parfait. On convertit. Et non. Oh, mais non. Oui, monsieur, bien joué. Oui, monsieur. Ah, trop tôt. Je suis seul. Oui, le dunk. Bien joué la contre-attaque. Je suis dunk dessus, je fais faute. Ça m'énerve, je te jure, ça m'énerve. Et je reste dessus en plus. La remontada, les Celtics, ils ont une chatte, faut clairement dire les choses. Ils ont une adresse aussi. Là, je me fais dunker dessus et j'ai déjà 3 fautes. Quoi. Du coup, il y a un one, ça va faire peut-être 2 points d'écart. C'est, ouais, ça va être un match très très difficile. Hein. On va y voir en simulant. Et là, 10 points d'écart. En fait, le match se joue sans moi, clairement. Clairement, c'est pas la première fois que ça arrive. Hein. Et vraiment. Celui-là qui tourne à ma place, ben il fait le taf. Enfin, je regarde qui c'est, mais il fait clairement le taf. Allez, ça va. Le troisième carton qui va commencer. Va falloir que je sois un peu plus dur, un peu plus intelligent sur mes choix pour essayer de remporter le match. Parce que là, je vais jouer le plus de minutes possible. Je suis déjà à 3 fautes si je ne fais pas exclure avant, bien sûr. Donc à voir. Ouais, je passais. Bim! Tomahawk dans ta gueule! Vous pouvez voir le ralenti si vous voulez. Parce qu'il propose plus les ralentis. Ish! Le 2! Merci de la loupe de Dragic. Magnifique. C'est génial ça. Et le rebond. Elle était passée. Un one. Oh, c'était dur celui-là. Il était dur. Ouh là là, ce match, je sens que cette série même va être très très intéressante. Parce que le, il y a de la défense quoi. Ça n'a rien à voir avec Cleveland. On va pas le nier, c'est assez difficile. C'était assez facile. Oula. Raté. Mais je la passe. Et le boss que je mets à Kemba Walker. Et la faute, la grosse faute même. Bon, c'était un peu du n'importe quoi, mais bon, on a réussi à s'en sortir un petit peu. Le premier mis. Je commence à prendre un petit peu d'avance. Hein. Ah. Bien joué, Lenick.
Là, passe au sol. Cette passe, elle est magique. Je pense que c'est la meilleure des playoffs de coup. Le rebond. Le rebond offensif. Et le rat. Ah, je suis bloqué. Ah, il me l'a mise. Ok. Fait du troisième carton. Et ben, l'adresse est nulle à chier. 42%, c'est nul à chier. On a des assez bonnes stats. Il manque juste un peu de passer de rebond. Mais je vais pas vous mentir, c'est le match le plus difficile que j'ai fait des playoffs pour l'instant. Ouais. Ça vient de faire la gueule. Hein. Du coup, je sors. On va me tourner un petit peu. L'équipe tourne bien sans moi. On va voir que ça va continuer. Let's simulate. Bon, oui, ça joue. On m'a sorti pour 5 secondes. Que je fasse. Mais joué, Butler, rien de moi non plus. Plus la passe. Mais joué, Butler. Eh ben, défensivement, je me fais bouger. J'ai jamais vu ça. Allez, Butler. Un autre confirmé. Rebond. Mais joué. Et what? Non. Ce qui rate des fois par moment. Smart, il va te gêner même quand t'es passé. C'est aberrant. C'est passé. Deux sauts. La passe. Mais joué. Est-ce qu'un jour ça va rentrer? Oui, enfin 3 points qui rentrent. J'ai une adresse complètement nulle à chier sur cette fin de match. Déjà à la mi-temps, j'avais pas une adresse folle, j'avais 40% à peu près. Là je suis à 38. Je dois tourner à 40 maintenant avec ce 3 points. C'est heureusement que mes coéquipiers sont en forme. Il y a 21 points d'écart. Heureusement que mes coéquipiers sont en forme. Parce que ça tenait que moi, on perdait le match. Bim! Merci, au revoir, Smart. Smart n'est pas là. Bon. Oh, il rate ça. Ah, il a raté le petit lapin que je lui ai laissé. Bim! J'utilise mon corps, qu'est-ce qu'il y a? Bon, 16 secondes. 16 secondes. Victoire large de 23 points. Donc quoi? 23. Non. 6 secondes. On va essayer de faire un buzzer beater avec la vitesse qu'il a. Non, vas-y vite. Ah non, pas quoi. Il avait mis sinon. Mais ouais, je l'avais mangé, mais ouais, dès qu'il est rentré dedans, c'était un peu lent. Victoire du match 1 des demi-finales de conférence face aux Celtics. C'était vraiment très difficile sur le plan adresse complet par rapport aux autres matchs. Smart m'en a fait baver, clairement, faut pas vous mentir. Et je pense que cette série va être très très intéressante. Intéressante, vous pouvez voir le recap. Très intéressante dans le sens où les Celtics vont passer ses fins. Après, il y a eu large victoire. Est-ce que ça va être tout le temps le cas là? Est-ce que je vais retrouver l'adresse? Est-ce que je vais être plus omniprésent sur les passes pour ce genre de série? Je sais pas. C'est à moi de redéfinir le rôle que je vais donner à mon joueur pour essayer de changer la donne et mettre les Celtics dans mon avantage. Mais pour l'instant, voilà, ça risque d'être un très très bon match. J'espère que vous avez kiffé le match, la vidéo. Et on se dit à la prochaine pour le match 2 des demi-finales de conférence Est.
Salut!